Jiraya tué. Et Jiraya était donc la cible. Bah, et eux, c'était Kidzik et Pitos. Ça veut dire qu'ils en sont à deux cibles abattues. 20 points déjà. C'est un super pour, départ. L'équipe numéro 3, c'est-à-dire l'équipe. En seulement 3 minutes. Hein. Des Pépitos. C'est-à-dire qu'en gros. Je crois qu'on en a d'autres derrière. Il y a de l'ambiance, hein. Qui l'eût cru, hein. Les voisins doivent kiffer, ouais. Ça va qu'on est dans la Dark Zone. Je vais aller voir pour vous faire un petit point sur les kills. Ouais, on va essayer si de faire un petit point parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de kills hein, qui sont faits. Ça va très, très vite, hein. L'impression. Ouh là là, regarde le monde encore, Bertrand, oui. Là. Oh, aïe, 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 aïe. J'apprends. Oh, Prime. Prime qui va tomber, la troisième cible. Ça y est, la troisième cible qui est tombée. Troisième kill. 30 points sur 40. S'ils font le dernier kill, ils sont assurés de gagner, Bertrand. Ils sont assurés de gagner. Ils seront irrattrapables. Et je crois qu'ils l'ont. Je crois qu'il avait tué Skyheart. Eh, ils ont arrêté de jouer, sur je crois. De Skyheart. Je me demande s'ils l'ont pas déjà tué, Bertrand. Je pense que ça mérite d'aller voir parce que les juges ont déjà noté plein d'éliminations. On les a peut-être pas toutes vues. Et les juges peuvent nous en dire un peu plus sur toutes les cibles. On va aller voir. On va aller voir. Allez, on va aller voir nos joueurs. On va aller voir nos équipes. Alors, on va just. Alors, est-ce que vous avez eu mais vos 4 cibles? Oui, c'était une énorme bataille. Alors, non, mais c'est toi le capitaine, mec. Donc, vous, non, mais vous avez eu vos 4 cibles. Donc, ça veut dire que vous avez gagné. Hein. Ouais. Eh bah ben ouais. Eh, c'est fait, mathématiquement, ils sont obligés. Hein. Maintenant, bravo. Caporal, bravo, bravo. Qui a fait à peu près 37 kills. Donc, faut l'éviter. Ouais. Faut courir, les gars. C'est un très bon jeu. Jérémy et Pat, c'est combien du coup? Ah bah maintenant, ça va se jouer maintenant entre eux. Mais en tout cas, vous aviez 10 points d'avance. Vous aviez 10 points d'avance avant ce match. Vous en avez marqué. Ouais, attention. Et ouais. Parce que tout le monde est déjà super bien sur leur score. On a déjà des gagnants qui ont réussi leurs 4 contrats. Donc on me suggère d'en relancer une, donc on va la couper bientôt. Pour le... Une manche? Bah ouais, tant qu'on y est, ça va super vite, ça marche bien. Mais juste pour... Du coup, on comptabilise les points ou pas? Ouais, on comptabilise les points, là. On va. Et on relance avec des points en jeu? Absolument. Bah non. Là, ils ont gagné. Mais c'est pas grave. Et bah tant mieux à la limite. C'est pas grave. Les joueurs qui ont été trop forts, Bertrand. Ouais. On va en faire une dernière. Allez. D'accord. Alors, on vous explique ce qui se passe. Vous êtes où en régie? Vous êtes où? 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 Vous êtes là. Ok, on est là. Et bah pour le moment, c'est un carton complet. Eh ouais. Puisqu'en fait, ça allait beaucoup plus. Alors vu, Damien, tu vas nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous. Alors non, ils ont pas tous. D'ailleurs, on va aller les voir les arbitres. Hein, ils vont nous dire. Mais là, on a plusieurs équipes qui ont réussi leur contrat. Ouais. Donc ça va super vite. C'est super fort. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont. Beaucoup sont rentrés par la même entrée de la Dark Zone, ce qui fait que c'est parti en espèce d'énorme bataille dès le début. Bataille en mêlée. En mêlée, bataille en battle royale dès le début, donc c'était plutôt rigolo. Donc voilà, on va aller faire le tour. Ils sont tous pas loin d'avoir réussi leur contrat. Et puis ce qu'on vous propose en fait, c'est de relancer par-dessus un Hunger Game, mais ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour le fun alors. Bah pour le fun ou pas forcément. Là on a un classement. On a un classement, mais le Hunger Game aussi apporte un certain nombre de points. On veut remettre en jeu le titre de Skyheart. Est-ce que Skyheart va être d'accord? Ah, tu veux dire. Ouais, bah je sais pas. C'est le capital, hein, faut pas je oublier, c'est eux le capital. Ça, tu vois ça avec Jiraya, hein, parce que. Avec Skyheart, je veux dire. Tu vois ça avec Skyheart, puisque en l'occurrence, ils pensent avoir gagné, quoi. Ah. Allons voir les scores des autres. Où sont les juges? On va voir qui. Il y a Nicolas là-bas, il y a Jérémy. Venez voir, on va aller voir les juges. On en est où sur l'émission là? Messieurs les juges, comment ça se passe? Tout le monde a fait les kills. Okay. Tout le monde a les 4. À peu près, ouais. Mon équipe a fait aussi les 4 kills. Bah, pareil, on a 4 kills. Je pense que Damien va devoir prendre des cibles. À propos de quoi? Laissez-moi tranquille, j'étais très bien. Bah si tout le monde a fait les 4 kills, c'est les Pépitos. On est au même point et c'est les Pépitos qui remportent.
tout simplement. Dans tous les cas, on va relancer un Hunger Games. C'est tellement marrant. Alors non, il va falloir lancer un Hunger Games pour savoir qui est deuxième, troisième et quatrième. C'est surtout ça, en fait. Puisqu'on est sur, on est sur des égalités. Vraisemblablement. On va compter tout ça. Ok. On va regarder. On va se poser, on va faire une réunion au sommet. Et, voilà. puis on arrive tout de suite. Ok, on se tient au courant. Exactement. Bon, alors on va se faire un point sur le classement. On s'appelle, on se fait une bouffe. Ouais, voilà, on s'appelle, parfait. On se fait une bouffe. Exactement. Maintenant, on se connaît. Je veux dire, ça fait. On est en live depuis 18h. Ah, exactement. Il y a une certaine intimité qui s'est créée. Une certaine complicité. Donc on va se faire un point sur le classement, sachant que les 5 équipes ont fait leur kill. Ouais. Ça c'est incroyable. Donc les 5 équipes. Très vite. Bon les amis, ils sont tous rentrés au même endroit. Et ils ont pas cherché à s'échapper. Hein. Ils ont... Allez, c'est maintenant là, ou jamais. Et ils ont fait directement et là, ils ont leur tout kill. Ou pas. Et du alors coup, c'est simple. Okay. En gros, il faut rajouter 40 points à chaque équipe. Tout le monde a fait les 4 par rapport au précédent classement. Si, ça y est, tout le monde a fait les 4. Ça veut dire que tout le monde va up. Comment de 40 points. De 40 points, mais les positions ne vont pas changer. C'est ça. Et le problème que l'on a, c'est qu'on a des ex-échos. On a 3 ex-échos, si ma mémoire est bonne. Donc il va falloir les départager. On va peut-être rajouter une dernière manche, même si ça ne changera rien, peut-être pour les gagnants. Les pépitos qui, dans tous les cas, l'emporteront. Ah, ça dépend. Moi je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va dire les pépitos ont gagné parce que c'était vraiment c'était les grandes équipes de la soirée. Vite, et puis pour le reste, on va essayer de les départager avec une dernière manche. Non mais alors, dit, il nous faut un juge. Il nous faut une décision. Il nous faut Damien, nous. Damien qui est parti se cacher. Hein. On est que les animateurs, regarde, nous. Regarde, il y a un petit groupe d'Ubisoft là-bas qui s'est formé, il y a un groupe de délibération. Ouais, je sais pas si on peut avoir une caméra, mais regardez, ça c'est des discussions au plus haut lieu là. Ah ouais, c'est vraiment, au plus haut niveau là, vraiment. Au plus haut niveau, il y a des discussions là-bas. Ils sont en train d'avancer leurs arguments. Ils sont en train de peser le pour et le contre de chaque décision. Est-ce qu'on peut voir? Non, ouais, si ça arrive. Il y a des discussions, mais vraiment, regardez là, c'est en train. Voilà, on envoie une caméra pour assister au débat. En direct. On est au cœur. On est au cœur de la négociation. Bien sûr. Priorité au direct. Voilà, c'est priorité au direct. C'est ces gens qui détiennent le pouvoir. Hein. Exactement, il faut en avoir conscience. Exactement. Hein. C'est eux qui sont en train de décider. Qui avons trouvé les noms de ces jeux complètement repris. Hein. Ils sont en train de décider in fine de l'avenir. Destin de ces gens. Exactement. De leur destin, de leur carrière sur ce Division. Ont-ils seulement conscience du pouvoir qui est entre leurs mains? Je ne sais pas, Bertrand. C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Hein, parce que pour la réélection, bien évidemment, il faudra. On voit en tout cas, on voit que Camille, la mère Noël, essaie de calmer les tensions. Voilà. Bien évidemment, les tensions qui se forment. Damien qui revient, le regard Damien qui revient, lourd et qui fermé. Va nous dire un petit peu, tel de Boutros Ghali à la sortie de l'ONU, comment se sont passées les négociations? Abemus papam. Ah, il y a de la fumée alors. C'est long. Il y a de la fumée au-dessus du Vatican. Il y a de la fumée dans nos têtes. Ouais. C'est compliqué. Ce qui vient de se passer là, c'est qu'ils ont tous été super bons et que très rapidement, ils ont tous éliminé leur kill. En fait, ils ont tous 40 points de pouvoir. Vous les avez sous-estimés. On les a pas sous-estimés, mais en tout cas, on a sous-estimé le temps qu'ils allaient mettre à avoir leur effectivement. Site. Donc là, ils s'amusent bien, ils n'arrêtent pas de s'entretuer. Ils ont tous marqué 40 points, donc ça c'est top, mais du coup, le classement reste le même. Nous, ce qu'on a vu avec les grands pontes des règles du Twitch, c'est qu'on va relancer tout simplement cette épreuve avec d'accord. les mêmes règles, ils ont les mêmes cibles, sauf que cette fois, ils peuvent les tuer plusieurs fois. Plusieurs fois. Pour cumuler. Et donc les juges vont compter le nombre de fois à chaque fois où ils arrivent à les marquent toujours 10 points pour avoir un vrai départage. Mais que dit Skyheart? Skyheart, la meilleure solution, c'est de ne pas lui demander son avis. Ouh, ça va faire débat. Ok, ça va faire débat. C'est comme non, ça. Non, mais on a des gens qui sont en train de lui expliquer tout ça. Je pense que c'est. Hey, de toute façon, c'est ça les coups de fusil qu'on entend. C'est là. Ça les coups de fusil. Je vais vous dire un truc. Si vraiment c'est le meilleur, si vraiment il fait partie de la meilleure équipe, ça lui pose pas de problème normalement. Normalement. C'est chaud quand même. C'est chaud. Moi je dis c'est chaud. Tu mènes 1-0 à la 90e minute et on te dit qu'on va jouer le but en or quand même. C'est vrai que c'est compliqué. Mais Skyheart, ceci non, mais après, toi, il devrait l'emporter. Mec, je te mets à l'aise. Hein. Tu t'arranges avec ta conscience. Hein. Ah oui, oui. Bah, ouais. C'est moi qui vivrai avec ça pendant des années. C'est toi qui vas vivre avec ça. C'est moi. Donc, c'est toi. Finalement. Si Skyheart perd, je pense qu'on va retrouver un homme brisé. Hein. Ah ben, je pense que c'est la fin de. C'est la fin, quoi. Ça peut être la fin de son aventure, hein, tout simplement. Ouais. Donc tu peux briser des vies ce soir. Mais je vais peut-être même briser la mienne. Ouais. Si je perds ma conscience, je brise ma vie. Hein. Bon, on a assisté quand même à un moment qui n'a pas été simple. Ouais. Non, on fait quand même le classement.
Regardez le classement avant cette prolongation. Les Pépitos sont en tête. Et j'espère pour toi, Damien, qu'ils le resteront. T'as vu Camille tout à l'heure, c'est en partie à cause d'elle. C'est ça, balance. Je veux pas, ça. Je veux pas balance, balancer. Balance, je veux pas, balance les collègues. Et tout, il disait quoi il y a 10 secondes? Je devrais vivre avec sur ma conscience. Ouais, maintenant c'est, ouais, vais, c'est Camille. En fait, je vais répartir ça sur plusieurs consciences. Ouais, voilà. C'est Camille. C'est possible. Ouais, bien sûr. Alors, donc, les Pépitos en tête avec 90 points. 5 points seulement les séparent des LGDS, qui ont fait une très belle remontée quand même. Les petits saucissons. Et puis derrière, Dance Dance Division et Apocalypse Now, qui n'a finalement que 30 points d'écart. Non, oui. Finalement, on se met à rattraper. Ils, ça veut dire que si on en croit votre règle, en 3 kills, c'est, ils peuvent remonter. Quoi. C'est chaud. Hein. C'est dur. Hein. Alors, on va relancer une partie. Alors, ce que je te combien propose, de temps, combien de temps? Est-ce que tu leur annoncerais pas ça au porte-voix? C'est t'ose ça. Pas, toi, c'est toi qui vas prendre le coup de fusil maintenant. Moi, ma voix ne porte pas. Il est très, très fort. Il est très, très, très fort. C'est ça, je te propose un truc, c'est toi qui vas leur dire. Bah ouais, bien sûr, bah non, moi, je vais pas leur dire. Tout le monde est témoin, je prends. Tu n'es qu'un messager, Bertrand. Non, mais c'est chaud. Moi, je n'ai rien à voir. Officiellement, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais pas me servir du mégaphone. Ok. Est-ce que tu veux que j'aille et que j'aille menotter Skyart? Un, deux, ouais. Alors. Il y a des prolongations. oui, Skyart. Il y a des prolongations. Alors, on rajoute une dernière manche. C'est donc un... replay du juste kill. Un Hunger Games? Ah non, un nouveau juste kill. Ah non, un nouveau juste kill, à la différence près que vous pouvez abattre plusieurs fois vos cibles. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez abatté la même cible, vous marquez 10 points. Est-ce que c'est clair? Ok. Skyart... Moi, j'ai pas entendu de. Non, il n'y a pas de contestation. Hein. Bon, ok. Donc, tout le monde a l'air ok pour continuer. Et bah, c'est reparti. Alors, on y va. Pendant Attends, combien de temps? On a besoin de combien de temps pour redémarrer? 2 minutes? 2 minutes. Ouais. On va les placer stratégiquement. Et on va jouer pendant combien de temps? Hein? Bon, bah, on remet quoi, 20? On met 20? Allez, 20 minutes. Bon, alors en fait, la vraie contestation, il n'y en a pas eu, c'est ah bon parce qu'en fait, Skyart a déjà pris la Xbox One, il est parti avec. Hein. C'est partir déjà en cours. Il n'y a pas de contestation, il est déjà chez lui. Quoi. Il est déjà chez lui, exactement, il vient de poster le concours sur Twitter. Allez, du coup, les équipes qui vont se repréparer, cette fois-ci, on précise, on va les mettre à différents endroits, à différentes 15 portes. Minutes, de apparemment la... 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. On va les remettre à différentes portes. Hein, de la, attendez, de la j'attends parce que j'ai l'impression qu'il y a encore un retournement de situation. Ah, pourquoi? J'entends. On te dit. J'entends, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment à nous d'imposer ça aux équipes? J'entends qu'ils limitent, ils préféraient finir, peut-être, certains, sur un Hunger Game. Sur un ah ouais, Games. Ça veut dire que maintenant, c'est les joueurs qui décident maintenant, les règles. Maintenant, c'est les joueurs qui d'accord, décident. D'accord, d'accord. Vous voulez que je vous dise? Voilà, ça part en live. Je me casse. Voilà. On ne dira rien aux huissiers. Oui, les huissiers de justice qui sont partis, et depuis, c'est la foule. Ouais, hein. Les huissiers sont barrés aussi avec c'est l'Xbox, ça, hein, parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, restons sur ce qu'on s'est dit. Ah. Restons sur ce qu'on s'est dit. Finalement. Finalement. Non, mais c'est bien d'écouter aussi. C'est il y a bien. Un message de Jagger sur Twitter qui me dit « Bamar, est-ce que tu peux mettre la tasse de The Division de côté ?» Voilà, elle est de côté. Voilà. Tu vas la faire tomber d'ici la fin. Non, non, c'est vrai qu'ils sont classe ces mugs. Hein. Ouais, ils sont sympas. Il y en a gagné aussi. Ça fait partie des loots. Écoute, je ne suis pas sûr. Je sais que dans les loots, on a tout ce qui est casquette, sweat, pull, teddy. Tout ça nous vient de notre partenaire Cotton Division. On a des jolis artbooks aussi qui sont mis en jeu de Huggin & Munin. Ils sont des super artbooks. Ça s'appelle Tout l'art de The Division. C'est des très gros non, livres avec beaucoup de pages. Là, non il est dans le pack alors, aussi. C'est un autre artbook. Là, d'accord. C'est vraiment, on parle d'un gros artbook qui se vend en magasin où il y a ça, vraiment y a toutes les inspirations de Massive pour faire le jeu. Il y a une question qui m'est posée sur Twitter par Corentin. Supporter de l'AS Monaco qui me dit combien d'heures de jeu en solo. Alors, ça c'est une vraie question. Alors quoi. C'est une vraie question, sauf que ça veut malheureusement ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on a énormément de missions. Enfin, on a des missions principales, on a énormément de missions secondaires et tout ça. Sauf que on peut tout refaire. Alors sincèrement,
Je ne peux pas répondre en termes d'heures précises, ça c'est sûr. Je sais juste qu'il y a des dizaines de missions principales, qu'il y a des, vraiment énormément d'événements aléatoires dans tout le monde, énormément de missions secondaires, que pour choper certains loot, il va falloir refaire et refaire les missions. Et que limite, des fois, même à mon avis, ce serait plus rapide de faire les missions secondaires pour être plus équipé, oui. Parce qu'on va moins galérer sur la mission principale. Donc sincèrement, c'est pas un jeu qu'il faut concevoir en fait en début et fin, j'ai fini l'histoire, j'ai fini le jeu, en fait, on peut difficilement le concevoir comme ça. Autre en tout cas, rassurez-vous, il y a vraiment des heures et des heures. Autre question sur Twitter, c'est Tears qui m'apostrophe et qui me dit quel est le niveau max. Donc on l'a vu dans le mode aventure, c'est 30. Ouais. Mais on voit qu'on a d'autres niveaux dans la Dark Zone. Jusqu'à combien on peut monter dans la Dark Zone, je sais que c'est beaucoup plus élevé, mais je ne connais pas exactement le niveau max. Je ne l'ai pas encore atteint. Mais c'est bien plus que ce qu'on a en solo. Ouais. C'est vraiment un nombre de niveaux qu'on atteint beaucoup plus vite et qui vient vraiment différencier les joueurs sur toutes les zones avec les niveaux de difficulté des zones de la Dark Zone. Très bien. Bon, on va être prêt ou pas là? Je crois qu'on approche. Hein. On est prêt. Camille, on est prêt? Ah, il n'y a plus qu'à envoyer le go avec le porte-voix. Eh bah, Bertrand, tu vas pouvoir une fois de plus, tu croyais que c'était la dernière fois, tu vas pouvoir une fois de plus utiliser ce mégaphone pour faire ton fameux compte. Alors là, on part sur les cibles. Le juste kill pendant 15 minutes. 10 points pour chaque cible, et puis les arbitres vont nous tenir au courant et au fur et à mesure. Ok. Du nombre de kills par équipe, et on va regarder tout ça. Je pense Ok. On repart pour 15 minutes de juste kill, et vous pouvez abattre vos cibles autant de fois que vous le souhaitez. 10 points à chaque kill d'une de vos cibles. On y va dans 5, 6, 7. Non, est-ce qu'on est prêt? 15 dernières minutes de ce live. Est-ce qu'on est prêt, Camille? Allez, on va lancer. Hein. Ils sont Nicolas, capricieux. C'est bon. Allez, on y va, c'est parti. 15 dernières minutes, nombre de kills illimité. 10 points par kill cible. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et c'est parti. 15 dernières minutes, on est chaud. On est là depuis 18 heures. On est défoncé. Ah bon? On est... Allez, c'est parti, on est directement avec Aipierre. Oh là là, et directement, on entend il y a déjà... Là. Et on entend déjà... J'ai les petits saucissons, ça shoot. Les petits saucissons, on va passer direct avec eux, ouais. On ça est passé pépitos, directement oh là là, avec regarde les petits ça. Saucissons. Ouais, oh là là, et tout le monde est à terre. Il est à terre. Oh, il y a eu une réa. Il est à terre. C'est... Link. Oh là 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 là. Les saucissons. Il y en a encore, il y a encore deux équipes qui sont trouvées direct. On est maintenant chez les pépitos. Skyheart à la commande, l'un des meilleurs joueurs ce soir. Hein. Ah ouais, mais là, il a beau être un des meilleurs, il va tomber directement réanimé par ses coéquipiers. Hein. L'énorme travail d'équipe qui va lui permettre de rester en vie. Ah là, on est parti, je pense qu'ils sont tous encore rentrés dans la même porte. C'est directement le combat. Il essaie de partir, hein. Il a pris ses jambes à son cou, Skyheart, hein, sur cette action. Il va à peine réussir à rester en vie. On voit sur le petit radar en haut à gauche, hein, il y a énormément de coups de feu qui sont échangés. Oh, il a pas vu, il y a quelqu'un juste derrière lui. Et du coup, il va mourir à cause de ça. Aïe. Il devait croire que c'était un allié. Est-ce qu'il va être réanimé encore ou pas? Et non, Skyheart qui est directement mort. Alors, est-ce qu'il a été tué par quelqu'un qui l'avait poursuivi? C'est ça la question. C'est une excellente question. C'est ça la vraie question. Alors du coup là il a réapparu avec ses coups. Il arrive avec eux, est-ce qu'on a la fiche? J'ai du mal à me souvenir par cœur de cible. Je les ai moi. Tu les as? Qui devait tuer Sky? On passe d'un Sky à un autre, hein. On repasse sur Sky Rose. Bon, on sait qu'ils vont être en grande difficulté, hein, les Apocalypse Now. Mais avec le nouveau système, du coup, ils ont une chance de gagner. Et en plus, ils ont vraiment pris le temps d'acheter chez les marchands, de récupérer du meilleur stuff, de bien équiper leurs compétences avec les nouvelles. Donc je me méfie quand même. Ah, il y a du monde au fond. On voit qu'il a c'est un lance-roquette qu'il a sur le côté ou c'est un énorme fusil? Je crois que c'est un gros pompe. Hein. C'est un gros fusil, ouais. On dirait. Ou attention, il va lancer des grenades là. Par surprise. Ouh, il a fait quelqu'un. Il a fait mal. Il a pas fait le kill, mais c'est pas loin. C'est tombé. Ah, il fonce. Hein. Ah ouais, Skyrose. Il fonce. Je le vois rarement à couvert quand même. Ah non, il connaît pas la couverture Skyrose. Non. Il connaît pas. Il a coincé Mikalo.
Il a coincé Mikalo dans la rue. Mikalo qui saute comme une grenouille. Je crois qu'il doit faire le teacher Mikalo. Voilà. Ah, il s'est fait attraper au dernier moment. Oh mon dieu, les deux sont tombés. Allez, on va aller voir, on va aller au contact. Ouais, ça mérite, je crois. Oh, c'était une magnification. On va aller sur le champ de bataille. Et on va notamment s'intéresser à l'équipe de Skyheart. L'équipe des Pépito. Oh, c'est la merde, je vous avoue. Jira Oussa, bien joué les gars. Bien joué, c'est bon, Jira est mort. Ça fait 6 les mecs. Ok. Pas grave. Kera, pas le tuer. Bon les mecs. Allez mec, encore un peu plus mec. Y'a personne mec, personne au spawn qu'on va tuer les gars, personne au spawn 100%. Prime au sol et Pierre. Non on a 6. Y'a 6, on a fait 6. Par contre mais continuez, ça suffira pas. 6, hein. Non mec, 6. Y'a Jira, il vient de mourir, je vais le tuer. Et j'ai tué Psycho mec. Non mais j'ai tué Psycho et Jira. Mec, j'ai tué Psycho et Jira, ça fait 6 mec. Je vois pas. Il est où? Je vois pas. Ah, psycho. Vas-y, mec, c'est 7ème. On continue. Comptez, hein. Il y a une grenade. Psycho, ça, mec, je suis mort. Mais tue-le, psycho, on s'en fout du reste. Tue psycho, bien joué, 7ème. Bien joué. Reste-moi, bro. Reste-moi. Bien joué. Je tape un heal. Il est au sol. Il, c'est bon, c'est healé. Et puis, Adeps. Y'a pas JJ. Skyrose. On pouvait pas. Je t'ai mis mon heal. Je t'abordage les gars. Y'a personne qu'on doit tuer derrière. Ils ont pas respawn les mecs, on doit tuer en fait. Alors leur cible, on vous le rappelle, pour l'équipe 3, l'équipe des Pépitos. J'y mets, côté gauche, Côté gauche, on y va. Jigme. Les gars, j'y mets. Le 8ème, les gars. Jigme, il est là. Je suis au sol, Jigme à gauche. Full life. Le tir à côté. On a l'impression qu'il y a au moins 1 million de dollars en jeu. Non mais c'est ça. Les gars, normal, c'est la base. Les gars, Jigme à gauche, Jigme côté gauche, mid life. Il a plus son heal. Pour quelqu'un qui voulait pas jouer à la manette, il a quand même très envie de gagner la Xbox One. Ouais, on va aller voir les LGDS, on est sur eux, on est avec Jigme maintenant. Bertrand, la cible justement de Skyheart. Bertrand, attention, on nous dit Apocalypse Now, il y a beaucoup de kills apparemment. Ah ouais? Je suis down les gars. Jigme qui est down, on va passer sur l'équipe de Skyrose. On va passer sur Apocalypse Now. Et visiblement ça se passe bien. Comment ça se passe ici alors? Ils ont 6 kills. 60 points, donc 6 kills pour la team Apocalypse. Donc tu surveilles bien. Hein. Je surveille bien, je suis à fond. Tu veux dire qu'ils sont peut-être en train de se refaire? Peut-être. Je pense que ça va être un peu difficile de passer de dernier à premier, mais ils peuvent gagner une ou deux places. Ils ont que 7 kills du côté de l'équipe de Skyheart, donc il n'y a qu'un kill d'écart, sachant qu'il y avait 30 points, donc 4 kills c'est jouable. Ils viennent d'avoir Will, donc on vient avoir un plus 10 encore une fois. Ouh là là. Ça communique moins ici. Hein. Non, c'est moins bruyant. Non, mais là, on est concentré là. Ouais, parce que vous êtes en train de faire une remontée là. Hein. Ouais, on fait une remontée, ouais, effectivement. On a réussi à gagner, je crois, à 70 points. Donc, c'est quand même plutôt beau gosse par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et je suis mort. Là, c'est le bordel. Et c'est vraiment kiffant, quoi. C'est jamais fini, attention. Le réveil d'Apocalypse Now. Toute la soirée, on s'est dit bon. Ils se réservaient. Ils attendaient le moment. Vas-y, Vous remontez bien là, Prime. Hein. Bah là pour l'instant, vous êtes déjà plus dernier normalement. Là. ça enchaîne. Hein. Ah ouais, ça enchaîne. Ouais. Alors on est chez les petits saucissons. On est là-bas. Amixem, on va aller voir Amixem. Est-ce qu'on peut avoir une caméra? Venez. Alors ça tourne entre 5 et 10 kills à peu près, hein. Selon les équipes, d'accord. C'est entre 5 et 10. Comment ça se passe, Maxime? Ouais. En même temps, on a buté deux ou trois fois Pierre, une fois Skyheart, ça se passe pas trop mal. On est bien.
Et là, je vais réapparaître à l'autre bout de la map. Et tu vas te balader. Assez, ouais, voilà, j'ai une randonnée de 3 ou 4 heures qui est prévue. Je suis assez content. On va voir Cyril, toujours dans les moitié du temps. 7 minutes 30, moitié du temps. Moitié du temps, Cyril, ça se passe comment? Attends, je suis à fond dedans là, j'ai plus de santé, mais c'est un gros bordel en fait. Il y a tout le monde qui tire sur tout le monde. Et c'est un peu chaud. Mais ça va, on s'en sort bien. On en a tué plusieurs. Donc, je sais pas si chez les autres. Je sais pas, ils ont tué combien les autres, tu sais pas? Ouais, ça monte partout là, ça va être chaud. Ah bah, ouais. Comment ça se passe ici? Bah écoute, ça se passe bien, je crois qu'on a environ 200 kills. Je pense qu'on est parti pour gagner. 200 kills ici. On me 200. Dit 200 kills. 200. Ouais, ouais. Allez, on va voir l'équipe Dance Dance Division. Ah, Pierre, il est tout le temps calme, il est zen. Il est sage. Les gars, l'ulti. Attends, je m'arrête, c'est bloqué, je crois. Ah, c'est bon, on me heal. Ah bah non, on va pas humiler, putain d'Eps. C'est Jérémy qui m'a buté. Ah, c'est pas grave, je réapparais. On va aller voir Dark. Je vais aller surveiller l'Apocalypse Now. Ouais, moi je vais voir comment ça se passe avec Antoine. Comment ça va Antoine? Ouais, c'est easy, y a pas de niveau en face, franchement, regarde. Tu vas là. Je te regarde, voilà, ça s'est envoyé, frérot. Oh putain, je suis mort aussi, bordel de merde. Bon, c'était chaud. Là, t'arrives juste au moment où c'est chaud. Clairement, voilà, on s'est un peu pissé dessus là. Là, on s'est fait un peu pissé dessus. Mais là, clairement, on leur met une grosse pression. On est chaud. Le jeu est clairement vraiment immersif. On leur fait un peu, tu vois, papa dans la maman. Tu vois, ça rentre, ça sort, c'est ça qu'on aime. Non, là, clairement, on leur fait doucement l'amour, tu vois, clairement. Franchement, je regrette d'être en couple là, tu vois. Franchement, je te dis franchement, honnêtement, être en couple, ça me fait chier là. Tu vois, ça me fait chier parce que j'aurais aimé voir plus. J'aurais aimé jouir. Là, tu vois, je suis dans le préliminaire. Tu te retiens, quoi. Je suis dans le préliminaire, 2-3 coups de rein, puis après, je fais désolé, je t'aime, mon amour, je t'aime, Marie, voilà, si tu m'écoutes. Mais donc là, je peux pas fignoler, tu vois. Mais t'inquiète, là, on est chaud, là. Et on finit. Et on finit cette petite incursion dans l'équipe Dance Dance Division avec Dark Fu. Dans le feu de l'action, la calypso, les gars! Ah, c'est bon, je l'ai. Eh oui, un peu de plus, voilà, tranquille, Calypso 53, bam. Attends, il. Il est moi, les gars. Non, ils m'ont eu. Ouais, ça va, j'ai l'impression que tu dis bien, là. Ah bah, en fait, dans le feu de l'action, ça va. Après, faut voir que j'espère qu'en multi, ça sera comme ça, parce que c'est comme ça, c'est le feu, quoi. C'est le feu, quoi. Ouais, ça va être le feu. Ça va être le feu direct. Non, franchement, c'est bonne ambiance et tout. Là, pour le coup, c'est le kiff. Après, ils envoient des modes de jeu sympas. Et aussi, ils les mettront après en place dans le vrai jeu. Ah ouais! Ça, c'est la question. Ça, c'est la question, quoi. Ouais. Parce que ça dynamise vraiment l'intérêt. Genre, on veut en focus 1 sur tout le monde. Non, et là, t'es live, level down. Yep. Level down. Là, il y a Bertrand Amar, les amis, regardez. Salut! La machine. Bertrand Amar. Bon, ben, continue bien ton live. En espérant qu'on gagne, ce serait bien. Salut, Darkfu, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On est sur Hypierre là, qui est à couvert. Attends, y a Pat là-bas, y a Pat au bout. Pat qui fait partie des cibles. Ouais, de y a Calypso, Calypso et Pat. Les gars, en fait on est sur du respawn, y a Psycho là. C'est trop le bordel. Non mais mec. Tu en étais à putain de merde. Oui. Oh mon équipe qui n'écoute rien, les abrutis par l'alcool. Allez. Vous l'avez eu? Calypso au-dessus, il va mourir les gars. Les mecs au-dessus du spawn. Les mecs, s'il vous plaît, on est là, on peut faire le 120ème point. Il est mort, c'est bon. C'est bon, ça y est, c'est bon, ça on l'a. On les bat. Tu peux rajouter un point à Calypso. On a eu Calypso. J'ai peur qu'on me vole le kill, mais c'est bon. Et là, ça se passe bien avec Pierre qui fait un petit peu le café aussi, hein, qui se régale. Hein, monsieur et Pierre. Ah, c'est compliqué là, hein. on a du mal en vrai. Il y a énormément de monde. Il reste 3 minutes. On est à 130 points. On peut remonter les gars, on peut continuer. Vous êtes à combien là? 130. 120 ou 130. Mais en tout cas c'est pas mal, on a fait une dizaine de kills.
Ça peut le faire, ça peut le faire. Cyril est l'une des cibles. Cyril est l'une des cibles, ouais, super connard est l'une des cibles. Ouais. Terracine ne l'est pas, donc je m'en fous. Amixem ne l'est pas non plus. Donc je m'en fous. Moi je cours après. Salut Amixem. Mais c'est l'enfer, oui, je sais, mais bon, il faut trouver mais nos cibles. Est-ce que tu sais de qui tu es la cible? Oui, ah. De Skyhard qui n'arrête pas de venir me chercher. Le faux frère, je croyais qu'on avait une chaîne YouTube ensemble, mais en fait, il m'a trahi. Cet homme. Mais justement, où est Pat? Et Sky, il me poursuit. Les gars, il y a Calypso. Calypso à droite, au spawn, au spawn, au spawn. Au spawn. Les gars, je me fais défoncer par des bots, hein. J'annonce. Il y a Skyhard qui te tombe dessus là. Ouais, Sky sur moi. Les gars! C'est un truc de ouf, c'est 3h je leur dis, je suis la cible de Skyhard et ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas. Vous ne m'écoutez très... jamais. Eh, il est très bon ce mode de jeu. Oh là là. C'est des amitiés je pense. Très très vite. On peut pas se barrer, on est au spawn, on se fait kill spawn en continu en fait. On se fait spawn kill en continu, donc du coup on peut pas sortir. On essaye. Ah oui, mais... dès que tu ressors, t'es au milieu de la mêlée. Regarde bien, attention. Allez, ouvre la porte. Ouvre la porte. Et qui y'a? Y'a Prime devant moi, je m'en bats les couilles, je le bute. Non, je me barre pas, y'a Prime, putain. Prime, viens, je te prends le shotgun. Est-ce qu'on est bien sur Dance Dance Division là? Regarde, le Prime. Reviens. Voilà, y'a Prime qui fuit là. Bim, ça y est, terminé. T'es sûr qu'on l'a pas buté? Attends, je me heal. Je suis avec toi. Il reste 38 secondes. Il reste 38 secondes et là il n'y aura pas de prolongation. Alors attention. Ah non, 50. Il reste 45 secondes. Dernière minute, on arrive au bout de la soirée. Il reste encore quelques kills à faire. Ah ouais, ah ouais. Bah j'aime autant. Hein. On essaie d'avoir aussi. Ses cibles, donc j'aime autant. On approche du but. Parce que nous on est pour la justice. Gagner, mais, effectivement. Tout peut encore se décider ouais. Dans la dernière minute. On est comme ça. On est des mecs honnêtes, hein, Bertrand. Après tout, on est des mecs droits et honnêtes. On est pour la justice. Allez, 27 secondes. Il ne reste plus que 20 secondes. 20. 19. Attention, les derniers kills. Les derniers points à prendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! C'était bien cool. Eh ouais. C'était du coup la compétition bien cool, ce match. Ce live, franchement, ouais. Depuis 18h, on est à donf. On en sait. Et les joueurs aussi sont à donf. Les joueurs sont à donf. Franchement, ils se sont pris au jeu. C'était bravo allez, à eux. Bravo à eux. Vraiment. Très belle image. GG à tous les joueurs là, parce que franchement, ambiance de folie dans ce live. Tu le disais, on avait l'impression qu'il y avait un cash prize de $1 million. Ouais, à un moment, alors qu'ils jouaient pour leur communauté. Skyhard était vraiment, vraiment à fond. Et même après, à la fin, les équipes, quand elles ont vu qu'elles pouvaient remonter avec cette nouvelle règle, se sont données à fond. Même les Apocalypse Now n'ont rien lâché et je me demande si on va avoir des changements au classement. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que les pépitos vont rester en tête pour le classement général. J'espère. Je l'espère parce que quand même, ils ont très bien joué tout au long de la soirée. Maintenant, bon, ce sera le jeu. Hein. Ils ont accepté la dernière fois. Ils ont accepté sans protestation et on va bien évidemment connaître le grand vainqueur. On va donc pouvoir leur donner des cadeaux, mais aussi vous donner des cadeaux puisque nous allons... Bien évidemment, avoir le résultat de vos paris. Tout est en train de se délibérer, Bertrand, les dernières secondes, les dernières décisions. On est en train de recompter les kills et de recalculer les classements pour s'assurer un petit peu des positions au final. Vous voyez les joueurs et les équipes qui attendent un peu le résultat. Ces équipes d'un soir. C'est ça, ils attendent les délibérations du jury. Anxieux. La pression, on le voit là, on voit Maxime là, qui est vraiment tordu. Ouais, il n'est pas bien. Il y a toute la détresse du joueur face à ses juges. Hein. Jiraya là. Qui ouais, là, on lui a plutôt l'air énervé à dire à ses coéquipiers, les gars, on aurait dû faire un plus de kill, c'est mal passé. Ah là là. Jiraya qui a tout donné aussi. Hein, Ray Pierre qui tweet. Hein, tu les gardes pour qu'on aille après les... Tout est perdu. Il est en train d'envoyer un message à sa mère. Je suis désolé, maman, j'ai pas réussi, je ne reviendrai pas tard. La victoire. Je vais rentrer tard. Ouais. Et puis là, on a l'équipe des petits saucissons.
Ça discute. T'as le classement, toi ? J'ai peut-être une petite idée de ce qui s'est passé, mais on attend le classement officiel parce que je veux pas me fier à ces mauvais juges. Moi, de ce que j'ai vu, c'était les pépitos. De ce que j'ai vu. J'ai bien l'impression qu'on va rester sur l'ordre établi. Ah. Comme ça, pas de jaloux. Attention, attention, je veux pas m'avancer moi, trop. Moi, je dis ça. Ouais, c'est qu'il y a sa tête qui est. Il y a sa tête qui peut passer à l'autre. C'est mieux pour ta famille. Ça serait mieux pour tout le monde, je pense. Ouais, parce qu'ils ont déjà recherché ton adresse là, ils ont fait une photocopie de. On s'en doutait, ils ont bien joué, ils ont et très si bien joué. Et si on mettait tout en jeu maintenant. Et si maintenant, alors, on tirait la courte paille. Ce warm-up, c'était très bien, on va commencer la compétition maintenant. Est-ce que vous êtes là jusqu'à 6h? Et du coup, par contre, on a quand même eu une belle bataille de la part d'Apocalypse Now, ouais, qui partaient de loin et qui ont tout donné. Je me demande s'ils vont pas sortir de cette cinquième place. On va le voir, mais je crois qu'ils ont grappillé. Ouais. Ils ont vraiment tout donné sur la dernière. Encore une fois, hein, le stuff, tout ça, c'est important. Là, ils ont bien pris le temps de bien travailler leur avatar, ce qu'ils n'avaient pas trop fait avant. J'ai l'impression que c'était Skyros et Psycho qui faisaient pas mal de kills. Ouais. Ouais, Skyros qui était concentré. T'as allé lui parler, il voulait même pas parler, il était concentré. Il allait tout droit. Voir. C'est-à-dire qu'ils ont rien lâché. Ouais. Jusqu'au bout, hein, les Apocalypse Now. On a un classement définitif ou pas encore? Il arrive, il est en train d'être fait. Je pense qu'il va pouvoir être lancé dans peu de temps. Il y a tous les juges. On va pouvoir d'ailleurs, avant de rendre l'antenne et d'annoncer les derniers gagnants, parce qu'il y a eu beaucoup de gagnants là qu'on doit vous annoncer, on va remercier un petit peu tous les partenaires et tous les gens qui ont bossé sur ce live, parce que ça a été vraiment un gros, gros, gros boulot. C'était alors épique, déjà en termes de partenaires, je crois que ça s'est vu, hein, Xbox. Xbox qui nous a beaucoup aidé évidemment, on a joué. Ils nous ont prêté les consoles. Ils nous ont prêté les consoles, ils nous ont soutenus, donc voilà, un grand merci à Xbox One. Évidemment, un grand merci aussi à Vermedia. Ouais, d'ailleurs, on devait en offrir. Comment oui, ça se passe c'est dans les lots. C'est dans les lots. Les gens ont gagné plein de trucs. Parmi les gagnants, il y a des gens qui vont recevoir des boîtiers à Vermedia, comme ça ils vont pouvoir devenir streamer, des youtubeurs. Pros du stream. Ouais. Et on va contacter évidemment tous les gagnants qu'on a annoncés ce soir. Vous aurez vos lots et voilà, on va vous envoyer un petit message. Donc rassurez-vous, ça arrive. D'accord. Donc Avermedia évidemment pour les boîtiers, les écrans AOC, pareil. Plantronics pour les casques. Plantronics pour les casques. Et puis il y a tous ces jolis lots qu'on vous a fait gagner. Donc tout ce qui est les textile, vêtements, les teddy, les t-shirts, les casquettes que vous allez recevoir, ça c'est Cotton Division. Mais si tu demandes gentiment, peut-être que tu en auras. Je voudrais un outil. Le sien, il va le perdre dès la sortie. Je pense que j'aime tu le peux faire le perdre. Hein, tu peux le perdre ce soir. Hein. Et puis ces magnifiques artbooks aussi qui sont là-bas. On peut en montrer un peut-être. Je vais chercher. Je crois qu'on a le classement. Et je crois que le classement arrive. Restez encore un peu avec nous. On va aller remercier les gagnants. Ils sont canons. Ils sont super beaux. Donc ça, c'est Huggin and Manin, qui est l'éditeur de ce artbook. Et qui a super bien bossé sur ce très beau artbook. En fait, c'est tous les artworks qui ont été... Alors, il y a aussi les jolis artworks qu'on utilise maintenant, mais il y a tous les vieux artworks qui ont servi de storyboard pour le jeu, qui ont servi de croquis pour créer les différents personnages, les factions, les armes, tout en fait ce qui a été utilisé pour... en faire des modèles 3D dans le jeu, c'est dans le bouquin. C'est tout l'art de The Division, tout ce qui a inspiré, tout ce sur quoi les devs ont bossé en fait, les artistes. Sachant que le jeu c'est vraiment de l'art quand on voit les décors qui ont été faits, la reproduction des rues de New York. Parce qu'un jeu ça commence toujours par des artworks. Oui, bien c'est-à-dire sûr. Avant de commencer à allumer les ordinateurs, ce sont les artistes traditionnels qui bossent. Exactement. Sur des palettes. C'est avant tout des dessins et des idées. Dessins et des idées. Avant que ça devienne un truc gigantesque comme le jeu comme qui The sort Division, demain, voilà, que vous allez pouvoir ça aussi, voir vous-même. Ça aussi, on va vous en envoyer, on vous en a déjà offert et on va continuer à en offrir. On va appeler Camille pour le nom des derniers gagnants. Le nom des derniers gagnants. Avant, on va remercier bien évidemment aussi d'avoir été présent toute la soirée pour nous offrir ces cadeaux. On remercie évidemment toutes les équipes d'Ubisoft et toutes les équipes de prod. Techniquement possible. Merci à toi Bertrand d'avoir représenté toute la soirée. Vraiment. T'es toujours debout. Pardon ? T'es toujours debout. Toujours debout. Voilà. Mais dès que le Twitch va s'éteindre, c'est. Alors, on va découvrir le classement définitif. Alors, attention, le voici, c'est le classement définitif. Et c'est une bonne nouvelle avec 240 points de marqué en plus. Les Pépitos ! Les Pépitos ! Qui l'emportent, effectivement. Bravo Pépitos ! Allez, il y va. Allez, Skyheart. Le capitaine, le grand vainqueur. Viens. Apparemment, non, on a perdu. On a dit ça. Mais non, c'était une blague. Tu gardais le sourire, toi. Tu dis que t'as perdu tu gardes la banane comme ça. Ça va. Non, mais j'aurais été un peu déçu, mais on verra bien. En tout cas, c'était plaisir. Regarde le classement. En tout cas, c'était vraiment cool. On l'a, le classement définitif. Vous avez fait 24 kills. Ce serait bien que tout le monde soit gagné. 240 points en plus. Ça va.
Oh là, quel bordel. J'avoue, on a joué nos vies. Tous les pépitos, installez-vous. Pour sa dernière round, on a pas joué nos vies. Restez groupés. On chérisait les gens, mais là, avec les pépitos. Alors, regardons le classement définitif, s'il vous plaît, en régie, parce qu'ils n'arrivent pas à en croire leurs yeux. Voilà, 240 points en plus, vous avez fait 24 kills dans cette partie. Et vous êtes carrément loin devant, 330 points en cumul. Mais ok, mais... Mais tais-toi, mais quoi? T'as pas l'air content? Si, mais ça me paraît bizarre, vous êtes sûr que c'était les vrais scores? Bah ouais. Ok. Bah ouais. Ok, parce que moi, au moins, on m'a dit autre chose, on m'a dit carrément autre chose, mais ok, bon bah tant mieux. Bah moi, je suis passé à un moment derrière vous, à la fin, vous étiez à 17 et il restait pas mal de temps déjà. Ouais, je sais. Bon bah c'est cool. Bah oui c'est cool. C'est cool. Tu m'étonnes. Vous êtes sûr hein, parce que moi alors, je peux bien donner les lots à quelqu'un d'autre. Ouais alors le principe c'est que vous allez tous repartir avec un mégalo console Xbox Elite édition collector etc à offrir à votre communauté. Comment vous allez les offrir l'un et l'autre, Chelsea? Moi je vais faire un concours comme d'habitude sur Twitter et Facebook quoi. Ouais. Ouais moi pareil je pense. Twitter pour moi la même chose. Moi je l'offre à mon frère vu que c'est un abonné. Ah merde. Bon ben bien joué à vous. En tout cas nous on était vraiment contents de vous voir remporter la finale. Oh là là là. Alors, on a un mot. Alors déjà contestation de série là. Alors déjà je souhaite vraiment à féliciter les pépitos parce qu'on leur a donné plein de pénalités et ils ont gagné toutes les manches. Donc félicitations. Mais on tient à dire à tous les subscribers là, on est la seule équipe qui a tué toute une équipe au juste kill, la seule, et ça, on espère avoir de petite Xbox. Ouais, c'est vrai. Ça va se négocier, ça va se négocier. Bien joué, les gars. Little. Bien joué, bien joué la série. Beau fair play en tout cas de la part des équipes tout au long de la soirée. Hein. Beau fair play de la part des équipes toute la soirée. Excellente ambiance, hein, franchement. Quand on est streamer, youtubeur, comme vous l'êtes, finalement, les occasions de se retrouver comme ça. Physiquement avec d'autres streamers ou d'autres youtubeurs, elles sont finalement rares. Elles sont très courantes dans les conventions, mais il n'y a pas de jeu, tu vois. Et avant tout, je pense qu'on est surtout des joueurs, et du coup, c'est ça qui fait kiffer. En tout cas, moi personnellement, les LAN comme ça, j'adore. Et c'est vraiment des trucs, c'est vraiment trop bien, et l'ambiance était vraiment super. Et la dernière épreuve était en tout cas ultra stressante, parce qu'en fait, il n'y a aucun moment de répit, c'est genre pendant 15 minutes, t'es vraiment non-stop. Et là, le stress, il était mais ouf. Et on était pas bien, on était en mode oh putain. Vraiment c'était super cool et toutes les équipes, j'ai adoré l'Hunger Game, je pense il était génial. Côté stress c'était ouf. Ouais, il va falloir qu'ils intègrent ces modes de jeu au jeu quoi. Ouais bah clairement l'Hunger Game c'était génial. Arrive, hein. Pardon, la survie qui arrive dans un DLC très bientôt comme ouais, le disait et qui sera mis dans une partie étendue de la map quoi. Exactement. Ouais donc on va y être là-dedans quoi. On va être dans le Hunger Games dans le jeu quoi. Et même vous voulez vous remercier parce que vous avez mis le feu et vous avez beaucoup contribué je pense à la bonne ambiance et tout et le côté orga c'était vraiment bien organisé, même setup et tout, c'était vraiment bien donc franchement on est extrêmement content et on s'est bien régalé en plus on a vu plein de copains donc franchement c'est le top. Et ben merci vous nous avez éclaté franchement. Voilà. Un petit mot. Un petit mot. Je fais tourner putain. Non, j'ai pas envie. Non plus. En tout cas, merci beaucoup. Bon, merci. Et merci au public aussi. Merci à vous en tout cas, merci. Et vous pouvez aller repartir, chercher Bolo, il y a les Xbox et tout, vous embarquez tout ça. Et vous offrez ça à votre communauté dès demain. On peut les attendre, les concours, sur vos comptes respectifs. Après-demain peut-être, mais ouais. Après-demain, ouais. Au maximum, c'est deux jours quoi. En tout cas, merci au public, vous avez été super adorables sur les chats et tout. Et c'était vraiment cool. Et franchement, on a kiffé. Bravo, et bravo à tout le monde. Et bravo à tous, toutes les équipes. Toutes les équipes, franchement, toutes les équipes, c'était fou. Ils étaient énormes. Bien sûr. Ils étaient énormes. Ils ont été forts de A à Z. Merci beaucoup. Merci. On va faire un petit tour. Alors, en parlant de public, d'abord, je vais annoncer les grands gagnants. Les grands gagnants. Enfin, il y a deux types de gagnants. Édition collector, quoi. Ouais. Alors, déjà, on a les gagnants du pari de la mission 4. Et donc. Évidemment, j'avais dit les pépitos dès le début, hein, juste qu'on soit d'accord. Ah ouais, moi il l'avait dit. Sur Pierre. Toi, t'avais dit les pépitos. Absolument pas. Bravo. Mais on prétend donc que c'était le cas. Eh bien, tu auras une Xbox. Voilà, exactement. Non, merci. Oh merde. Donc, nous avons d'abord deux gagnants sur Twitter et deux gagnants sur Twitch pour la mission 4 qui repartent avec des lots. On va vous envoyer un petit message très prochainement. On a 140, Send 40 et Dragon Ace 1854. Et on a. Billet bas gauche et Wid culé, voilà qui repartent avec des lots The Division.
Et évidemment, le grand gagnant de la soirée, celui qui a voté pour la bonne équipe, pour celle qui a remporté cette soirée, qui a été tiré au sort sur Twitter. Et qui gagne, qui gagne le collector. Collector ouais, hein. Le collector Xbox One et puis Delo, bien sûr, The Division. D'accord. Et le grand gagnant, c'est donc Beetleborg LOL. Beetleborg LOL. C'est comme ça, en tout cas, qu'on me l'a écrit. GG à toi, mec. Tu gagnes le collector Xbox One. Un gros GG. Avec le Season Pass. La montre à l'intérieur, qui est là la montre, ouais, hein, elle est super, c'est la réplique en métal de la montre des agents du jeu, ouais, avec le petit halo de lumière comme dans le jeu, voilà. C'est un ça. Peu la classe. C'est exactement. La classe. C'est un peu la classe. Cool. Merci Damien, c'est la fin de ce live. On va peut-être aller leur dire au revoir. Allez, on va aller leur dire au revoir. Bertrand c'est déjà la fin de ce live. Moi ouais. J'étais chaud là, j'étais chaud jusqu'à 6 du mat. Hein. J'attendais la suite des Hunger Games. Allez, Darkfu. C'est la fin du live, merci beaucoup. Où sont nos caméras? Un petit mot pour la fin? Exactement, j'en attendais pas mieux de toi. Bravo encore, ça m'a fait plaisir de te croiser, mec. À bientôt, c'était cool. Jiraya. Oui, un petit mot pour la fin, j'ai plus de voix. Sans avoir hurlé comme un connard encore. J'en peux plus. Non, c'est super, on a bien rigolé en tout cas. Cohésion d'équipe à peu près 1%. Non, en vrai, c'était très sympa et je me suis régalé. On a eu une bonne team, on a bien rigolé, c'était le principal. Franchement, ouais, vous avez assuré. C'était super. Encore merci du coup. Merci. Hey Pierre, franchement c'était cool. Non ouais, c'est super sympa. On a un bon commentateur en plus. Bon, c'est dommage, on t'entendait pas. Il y aurait fallu des gros paroles. Ouais, ça aurait été assez d'enfer. Non mais là, t'aurais trouvé ça moins sympa. Non mais c'était franchement cool. Comme a dit Gigi, on s'est éclaté. C'est ce qui comptait. Enfin, ouais, franchement, on s'est vraiment cool. Bien marré sur les épreuves. Très bonne ambiance. Bien content d'avoir été là. Quoi. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci mec. On continue. On va checker tout le monde. Monsieur, bravo. C'était cool. Un plaisir. Nems, le mot de la fin pour ce qui concerne. Oh putain, attends, non, faut non. Que je trouve sur un truc intelligent à dire. Je remercie vraiment Ubisoft pour cet event de qualité qu'il est autant que ses jeux. Waouh. C'est pas c'était très français. C'était non, mais ça sonnait bien. Pas, ouais. À cette heure-ci, ça va bien. La qualité est de pair avec l'envol de la portée de leur jeu. Ça y est, on t'a perdu. Alors celle-là. Salut Antoine. Alors celle-là, avec plaisir. A bientôt, c'était cool. On va saluer Terracide, Link, qu'on vous retrouve. On vous retrouve tous les deux bientôt à poil sur des jeux de survie. C'est fort possible. C'est ça. Ouais. Beaucoup de fun ce soir. Et la seule chose que je voudrais dire et qu'on retienne, c'est qu'on a été la seule équipe à tuer toute une équipe entière. Et ça, c'est important ouais, de le souligner. Ça, c'est vrai. Ça, je pense que personne ne l'oubliera jamais. Non, jamais. Voilà. Jamais. Merci. Bravo à vous. Merci à vous. Hein. Merci. Cyril. Merci. Bonsoir. Ouais. Écoute, merci à toi. Je tiendrai à signaler quand même qu'on est la seule équipe, mesdames et messieurs, à avoir tué toute une équipe ce soir. Les petits saucissons, n'oubliez pas, Maxime, c'est pour vous. Maxime un mot. Une dernière phrase. T'as dit quoi ? J'ai pas entendu. Tu le répètes ? On est la seule équipe ce soir, Maxime, à avoir tué. La seule. Oh putain, c'est incroyable. C'est moi qui lance la fin du live ou non, ah putain non. Voilà, petit. Eh ben écoute, c'était très bien. Apparemment. T'as kiffé Cyril. Ta soirée. Ah parce que ouais quoi. On est la seule. Non. Ah la vache. Voilà. Ouais, vous êtes la seule équipe. On était la seule équipe. Putain, ouais. C'était incroyable. Bah voilà, donc moi c'était tout ce que j'avais à dire du coup. Ouais, merci Max. Merci beaucoup. Il y a quand même, j'ai vu qu'on était 7000. C'est bien. Abonnez-vous. Pat. Oui. Jérém. Il y a eu de l'anti-jeu. Quoi, non, contestation, non, quoi, qu'est-ce qui se passe? On commence la partie, on sort, t'as des mecs qui nous attendent au spawn directement. Ils étaient pas dans une entrée, ils étaient directement. Ensuite, il y a des comptages approximatifs. Les mecs, ils sont à donf, quoi. Bien joué aux vainqueurs. Ouais. Ils ont gagné la Xbox, une Xbox chacun, c'est ça? Non, pour leur communauté. Non, ouais, ok, d'accord, bah on les attend à la sortie. D'accord. À bientôt, à très vite. Ouais, parce que là, on peut le dire, on est dans la dark zone de Montreuil. Hein, exactement. Voilà. Là, c'est chez nous, là. Donc, chez nous, donc, oui. C'est chez moi, oui. La dark zone, c'est un peu le Mali. C'est absolument pas chez nous, on a grandi à Boulogne. Bon, je vous ramène à Boulogne, là. Ok, on va faire ça. D'accord. Dans le côté nord de Boulogne. Non, côté sud. Connaissez une, d'accord. C'est un peu plus montré. Alors. Ouais, pareil. Non, bien joué bon. Vainqueur. Très bonne soirée. Merci. Ouais. Bonne soirée. Très bonne soirée. Bravo, hein, t'as tenu hein, pour un mec qui n'a pas dormi de la nuit dernière. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Franchement, bien. Bah, je sais pas comment dire. Ouais, allez, franchement, Oli. Là, je. Oli. Je vais pratiquer. Qui s'est posé ce matin, arrivé direct du Sénégal avec un bébé qui a pleuré toute la nuit dans l'avion. Hey, yes. Il retient. C'était horrible. A plus, mec. Bon, allez. Et encore, bravo pour votre film. La seule. Ouais, merci à toi, merci. Il y a Will qui est là. Salut mec.
bien les menottes, tu repars avec. T'as gagné des menottes quand même. Je veux les menottes. Ouais. Et voilà, je suis très content d'avoir défendu les couleurs de notre superbe communauté. Donc merci à vous, c'était très sympa. Et la on jouera. LG. LGDS, ouais. Ouais. Mais les vrais savent. Et je vous embrasse et on se dit très vite. Et merci Ubi, c'était trop cool. Merci beaucoup. Ok, je suis pas un vrai parce que moi je sais pas. Et toi aussi, t'es beau Bertrand, on le sait. Regarde, il est beau. Regardez, il est beau. C'est pas vrai qu'il est beau. Dites-le sur le chat. Est-ce qu'il est beau? A plus mec. Jigmé, il est où Jigmé? Il a disparu. Il a disparu Jigmé et on va terminer tiens avec Coach Jordan. T'as gagné une paire de gants mec ce soir. Ouais. Non, je tenais juste à dire que j'étais assez intelligent sur la dernière game. Mmh. Comme à chaque fois qu'on me tuait, ça faisait 10 points. Mmh. Bah, je me suis dit que j'allais pas revenir dans le jeu. Donc j'ai posé la manette, j'ai encouragé mes coéquipiers. Stratégie. Ouais, parce qu'en fait, comme les micros pouvaient se débrancher et que je pouvais le mettre sur mon iPhone, bah, j'ai écouté de la musique en même temps. T'as écouté quoi? J'ai écouté Sting, enfin Police, un petit peu de Bruno Mars aussi, parce que c'est un peu la même chose. Et donc ce qui fait que c'était assez sympa pour mes coéquipiers en fait. J'ai donné moins de points. Ah, tu balançais la musique dans le casse des autres? Non, j'étais pas dégueulasse à ce point-là. Pervers à ce point, quoi. Mais par contre, voilà, les adversaires ne pouvaient plus me tuer donc. C'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Ça, c'est la technique du mauvais. Hein. mais c'est malin. Bon, merci mec, en tout cas c'était cool. Bah, merci à toi. Et, à bientôt. Ça va, ça n'a pas été trop dur? Non, c'était cool. Parfait. C'était cool. Monsieur professionnel. Bonne soirée. Et puis, on va terminer avec mon fournisseur officiel de tamales. T'as déjà été au Mexique, alors? Bah, j'ai déjà été au Mexique, j'adore ce pays. Ouais, bah moi aussi. C'est pour ça que j'y vais. Ouais. Et t'es dans quel coin, d'ailleurs? Guadalajara. Ah, Guadalajara. Moi, j'ai adoré Oaxaca. Ouais. Oaxaca, ouais, c'est magnifique. Bon, bah, vous restez combien de temps là en France Logiquement, on repart mardi prochain. Ouais. Donc, une petite semaine dans le froid avant de rentrer chez soi dans le chaud. Et c'est vrai que j'ai hâte un peu quand même, parce que là, je suis arrivé là, j'en pouvais pas quoi. Ah, bah ouais, là, t'es j'ai pas même acheté un blouson pour l'occasion quoi. T'es pas habitué. Hein. Non. Tu vas sortir une nouvelle collection de doudounes maintenant. Ouais, voilà, ouais, des doudounes parka, bonnets et tout. Bon, profitez bien de la semaine à Paris. Merci. Ciao. Salut Skyrose. Merci. Ciao. Et puis, bah, on vous a vu. Et bah voilà, c'est la fin de ce live. On va se retrouver avec Jonas. Merci, mec. C'était une bonne soirée. Hein. C'est bien amusé. Ah, on se fait. Ouais. Ah, on s'avise. Allez. Avec les micros. C'est pas grave. C'est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce live The Division. Le jeu sort officiellement dans une demi-heure. Ouais, c'était fou. On a hâte d'y jouer maintenant. Bah, ça y est, maintenant, on a hâte. J'ai qu'une envie. Je les ai vu parce faire. Que depuis la bêta, on n'y a pas touché. C'est ça. Comme vous, sauf si vous avez déjà lancé le jeu ce soir, si vous faites partie de ces petits vénards. Bon, en tout cas, à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Hein. Maintenant, vous connaissez l'adresse. Il y aura de plus bien en plus de live sur cette chaîne organisée par les équipes d'Ubisoft, notamment pour les mises à jour de ce jeu, mais également de tous les autres. D'autres jeux et de la marque, bien évidemment. Toi, on te retrouve. Merci Damien. T'as été un excellent consultant. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Merci à JB qui est là-bas aussi. Merci à toutes les équipes. Merci JB. Bravo. Bravo à vous. Bonne soirée. Bon game. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon game si vous lancez la partie maintenant, ouais, et à bientôt. Ciao. Ciao, bye bye. Bye.